السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين. إذا خلال هذه الحصة غادي نشوفوا لا فيش بيداغوجيك بالنسبة لزاكتيفيتي أورال المستوى الثالث ابتدائي. إذا كما قلنا خلال الحصة السابقة أن هذه الاكتيفيتي هذه كنديروها خلال 8 ديال الحصص خلال مدة أسبوعين. الأسبوع الأول كندرسوا فيها ربع الحصص الأولين وربع الحصص الأخرين، خلال الأسبوع الثاني باش نكملوا 8 ديال الحصص. جيد. Donc aujourd'hui, on va voir comment préparer une fiche pédagogique pour les activités orales pour la troisième année d'école primaire. Donc, premièrement, on va commencer par l'entête de la fiche pédagogique. Donc, on commence par l'unité didactique, le thème, activité, l'activité choisie ici, les activités orales, intitulé étudier, puis les objectifs, support didactique, livré de l'élève, les images, des posters, etc. Semaine 1. Donc, ici, pour cette fiche-là, on va travailler et on va voir les séances pour la semaine 1. Donc, les 4 séances. Niveau 3e année d'école primaire, les séances 1, 2, 3, 4. Comme je vous ai dit déjà. Donc, pour la durée, 20 ou 30 minutes pour chaque séance. Donc, pour science numéro 1, l'étape, première étape, c'est la mise en situation et la découverte du support. Donc, on commence par la mise en situation. Donc, pour les activités de l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait ici? Il amène les élèves de dire ce qu'ils voient sur le support visuel. Donc, pour l'activité de l'élève, qu'est-ce qu'il fait l'élève? Il dit ce qu'il voit sur le support visuel. Ça, c'est pour la mise en situation. Donc, pour, on reste toujours à la première séance, pour la découverte du support. Donc, qu'est-ce qu'il fait, monsieur le prof? Il guide la compréhension et la construction du sens à partir du support visuel et aussi l'encouragement de la prise de parole. Prise de parole, très bien. Donc, pour l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il observe les supports, etc. Puis, il fait la construction du sens. Donc, c'est pour la première séance. Donc, on passe maintenant à la deuxième séance, l'étape de reprise du support visuel. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Il demande aux élèves de faire la description des éléments observés, etc. De mettre en relation les éléments observés et décrits. Donc, pour l'élève, il décrit quoi? Les personnages, le lieu, le moment, etc. Puis, la mise en relation des éléments décrits et observés. Donc, ça, c'est pour la deuxième séance, l'étape de reprise du support visuel. Pour la troisième séance, on reste toujours à la première semaine, 4 séances. Troisième séance, l'étape de la découverte du support audio. Donc, qu'est-ce qu'il fait, monsieur le prof, ou bien l'enseignant? Il fait découvrir le support audio, ou bien l'enregistrement vocal de support audio. Puis, l'explication des mots difficiles, etc. Après, il fait mémoriser les éléments du support audio. Donc, pour l'élève, bien pour l'apprenant, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le support audio ou bien il écoute lecture oralisée du support audio. Puis, il explique les mots difficiles. Il mémorise le maximum d'éléments. Donc, ça, c'est pour la troisième séance. Pour la dernière séance en semaine 1, c'est l'étape de reprise du support audio. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Il amène les élèves à utiliser les moyens langagiers proposés sous l'intitulé étudié. Puis, la correction des erreurs, la prononciation, etc. Donc, pour l'élève, il utilise les moyens langagiers proposés. جيد. إذن هذا ما يخص بالنسبة ما يخص الفيش بيداغوجيك بالنسبة لهذه الحصة هذه. يعني حاولت نلخص لكم هذه المراحل والحصص اللي كتكون عندي في هذه الجلسة.
النمطية بالنسبة للأكتيفيتي أورال المستوى الثالث ابتدائي. نتمنى تستفيدوا معايا خلال هذه الحصة البسيطة والمفيدة. إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد، وشكرا لكم على المتابعة.